Bonjour tout le monde, c'est le 15e épisode de Redécouvrons Donkey Kong Country 2 et on va enfin pouvoir passer à la suite. Alors, Marais Marrant, Rambichambarde. Déjà, on avait raté la pièce DK. Donc, j'ai un peu joué hors caméra l'autre jour pour trouver la pièce DK et je l'ai trouvée. Je crois que c'est tout à la fin du niveau en fait. Ok. Alors quand je dis on va pouvoir passer à la suite, évidemment faut d'abord refaire ce niveau. Mais ça devrait pas être trop long. En tout cas, ce que je voulais dire par là, c'est que on a enfin terminé Châtaigne et Marron. Ce qui nous aura quand même pris je sais plus combien d'épisodes, 4 épisodes, quelque chose comme ça. Oula. Raté. Ok, je vais trop vite. Ça, c'est vraiment un niveau que j'aime pas du tout. Mince, ouf, non, c'est bon. Et quoi là-haut déjà? Ah oui. Ça va être tout de suite plus facile si on est invincible. Ah ouais, effectivement. Et la sauvegarde. Allez, on continue. Si je me souviens bien, la pièce DK, en fait, elle est toute à la fin. Sur le truc de fin, là, où on obtient un bonus. En sautant sur la cible depuis suffisamment haut. Je sais plus trop pourquoi je l'avais raté la première fois. Parce que ça commence à dater en fait. Ah oui, c'était juste ça. Bon, alors là, faut pas la rater. La pièce, elle est après. D'accord. Une vie, une pièce et la pièce des cas. Oui, c'est bon. Ah. Ça fait du bien de voir ça. Alors ensuite on va retourner dans les abeilles. Dans les ruches. Je suppose qu'il faut pas tomber. Tiens, il y a quelque chose là-haut. Merde! Oups là. Ah ok, je suis pas mort, je suis revenu en dessous. Bon bah c'est bien. On fait comme si c'était rien passé. Alors, et donc là-haut, j'ai vu qu'il y avait quelque chose.
peut-être qu'on pourra y aller par là. Non, je pense pas. Pas vraiment. Ah! Oh non! Oh, le boulet. Mais il y a un secret là, je peux pas la voir. Bon, tant pis, on reviendra. Non, mais pourquoi il est tombé? J'ai pas compris pourquoi je suis tombé. Je vais passer là pour la cinquième fois. C'est pas grave. Pas le moment de déconner. Ah, un tonneau d'Eka. Mais au final, on va retomber sur le truc où je croyais que c'était un passage secret. Bah ouais. Donc c'était pas du tout un passage secret. J'ai perdu 2 vies pour rien. Et là, il y a quoi? Il y a rien non plus. Bon. Le niveau, il s'appelle Rambi Chambard, mais on n'a pas encore vu de Rambi. Merde. Là-haut, par contre, il y a un passage secret. Oula. J'ai eu très très chaud là. Alors. C'est acrobatique, hein. Trouver le jeton. Ok, super dur. Allez, la suite. Ah, le tonneau de sauvegarde. Qu'est-ce qu'il y a par là? C'est super louche. Oula. Attention. Ok, on va entrer là. Rambi, comme prévu. Alors oui, sauf que la pièce d'Eka, là, je vois pas du tout comment faire. Je pense qu'il fallait contourner le petit passage où j'ai eu Rambi. Donc je pense que du coup, c'est complètement raté. Ah bon, il peut pas tuer les tonneaux? Vous auriez pu me le dire. Merde. Je peux pas passer de toute façon. Ah! Les crochets secrets, tout simplement. Et voilà la pièce d'Eka. Bah j'ai bien fait de mourir. On peut pas passer de ce côté-là, faut refaire le tour.
Allez, on est reparti, cette fois-ci on fait attention aux projectiles. Projectiles? 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 Voilà. Alors, si je comprends bien, c'est un rhinocéros qui rebondit sur des abeilles. Oula! Ah! C'est la course! Ok, c'est tout? Mince. C'est tout? J'ai dû rater un bonus à la fin, c'est pas possible. Ouais, j'ai dû rater un bonus pendant la course. Et ensuite le boss. Bon, on commence à voir enfin la fin de ce monde 4, le quai crème. Ça fait je sais pas combien d'épisodes qu'on est dedans. En tout cas, c'est terminé pour cet épisode. Voilà, merci d'avoir regardé et on se retrouve bientôt pour la suite. Salut!